Voilà, je marche à nouveau le long du canal de Nantes à Brest. Hein. Là, je suis en centre-Bretagne, oui, du côté de Gouézec. Donc, je me suis garé à Gouézec, le bourg de Gouézec, et je vais en direction de l'abbaye de Bon Repos. Donc, l'automne est bien là. Hein. Il y a magnifique couleur automnale. C'est une belle journée. Ouais, j'ai pas fait la route pour rien. Voilà, je marche sur un tapis de feuilles mortes le long du chemin de halage. Bon alors on arrive tout près de l'écluse. Je sais qu'il y a une écluse entre Gouarec et l'abbaye. Je dois être à mi-chemin. Ah, ça devait être vachement beau là quand il y avait beaucoup plus de feuilles. Il va faire une voûte sous le chemin de halage. Mon belle couleur encore automnale. Et voilà, petite maison éclusière de l'écluse numéro 139. Alors je vais faire comme ça parce qu'il y a une voiture, je vais pas filmer sa plaque. Voilà, voilà l'écluse numéro 139. Chaque écluse est numérotée depuis Châtelain, ou Port-Launay en fait. Depuis Port-Launay. Là, je continue vers l'abbaye. Voilà, ça va être l'occasion d'essayer de tester ma thermos pour soupe. Ah ouais, la soupe est bien chaude, presque bouillante encore même. Après 1h30 de route avec le fourgon, et là ça fait bien 3 quarts d'heure, voire 1 heure que je marche. Ah, ça marche vraiment très bien, cette thermos. Voilà, donc poule au pot. Bon, voilà, ça fait du bien, une soupe chaude, ça réconforte un peu. Mais par contre, ça là, c'est en plastique et ça donne un goût de plastique quand on boit la soupe un petit peu. La prochaine fois, j'emporterai une écuelle en alu. Et en plus, vous voyez, ça reste sale. Hein. Donc j'ai essayé de le laver dans le canal, mais c'est glissant sur les bords et j'ai failli tomber dedans. Donc, j'ai ma gourde d'eau, je vais sacrifier un peu d'eau potable pour laver ça. Voilà, donc je trouve que ça fait pas vraiment bol, quoi. Voilà, je suis arrivé à l'écluse de Bon Repos. Voilà, là-bas au fond, c'est les ruines de l'abbaye de Bon Repos, juste derrière le pont médiéval. Voilà, donc je fais vraiment la promotion de cet endroit parce que c'est un lieu que j'adore. Bon, un coin que j'adore, quoi. C'est bon, pour les amoureux, par exemple, si vous avez la chance d'être en couple, hein. Pas comme moi, tout seul comme un connard. Eh ben, voilà, vous venez là, hein, un petit restaurant. Là, je vois que ça fume la cheminée, là. Ça va être incroyable à l'intérieur, ça va être sympa. Puis là-bas, si vous êtes en camping-car, il y a un parc gratuit pour les camping-cars. Sinon, au sein de l'abbaye, ah mince, je me suis éloigné. Hop. Au sein de l'abbaye, là, dans les bâtiments, pas dans les ruines bien sûr, dans les bâtiments là-bas, là, il y a un gîte, un restaurant également. Donc, vraiment un coin reposant. Bon, là c'est dimanche, un petit peu de circulation. Et donc faire une balade le long du canal. Ah, toutes les boules de gui, dommage que je puisse pas les attraper. Ah, j'aurais bien pris une pour mettre chez moi, on dit que ça porte bonheur. Alors en rando, j'adore apporter ça avec moi. Les concentrés sucrés en tube. C'est super bon. Et puis ben, ça apporte du sucre.